Vésubie-Val-de-Blore, une vallée nature. À seulement une heure de Nice, le visiteur change d'univers. Première étape sur notre route, l'Antosque. Posé sur une barre rocheuse, le village réserve une surprise de taille. À l'abri des regards, une via ferrata nous entraîne dans un décor luxuriant, sécurisé, accessible à tous. Avec au final, une passerelle qui nous suspend dans les airs et le temps. L'étape suivante nous fait prendre de l'altitude. La station de Turini-Camp d'Argent, un cadre naturel, des paysages époustouflants à découvrir en vélo à assistance électrique, dans des valcartes, sur une trottinette. La vallée de la Vésubie et du Val-de-Blore, une succession de grands espaces et de petits villages pour flâner et s'évader. Direction Roquebilière et son bassin de baignade 100% biologique. Ici, pas de chlore, aucun traitement chimique, ce sont les végétaux qui filtrent l'eau. Une pause fraîcheur que l'on peut prolonger à la station thermale de Berthemont-les-Bains, la seule station thermale de la Côte d'Azur. Confort, soin, de l'air pur et une eau riche en oligo-éléments. Elle sort naturellement à une température de 29 degrés des roches du Mercantour. En pleine forme, nous reprenons la route. Direction Saint-Martin-Vésubie, pour y découvrir un site unique en Europe. 3000 m² dédié aux activités montagne. Escalade, spéléo, canyoning, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. À consommer tout au long de l'année, quel que soit le temps. Retour en pleine nature. Nous partons à la rencontre d'habitants fascinants, sauvages. Trois meutes, plus de 20 loups vivent au parc Alpha. Durant l'été, le site est survolé par d'imposants rapaces, aigles, chouettes, vautours, participent à un spectacle de fauconnerie. Pour ceux qui refusent de redescendre sur Terre, il est possible de passer la nuit dans les arbres. Des cabanes perchées les attendent au Boréon. Une expérience qui se poursuit avec la pêche en torrent, 5 km de rivière à l'eau cristalline. Notre voyage nous amène à la Colviane. Ici encore, un grand bol d'air et la possibilité de vivre des moments forts, très forts. La plus longue tyrolienne de France permet de survoler le domaine. Vitesse maxi, 120 km/h. Les amateurs de vide devraient apprécier la via ferrata la plus aérienne de la région, dans un décor grandeur nature. Pour les moins courageux ou les plus petits, Acrobranche et Luge d'été sont également présents à la Colviane. Émotion, partage, sport, contemplation, la vallée de la Vésubie et du Val-de-Blore, une montagne de sensations signée Pure Montagne.